Avis aux fans, si un nouvel épisode de la série Ici Tout Commence est disponible tous les jours de la semaine à 18h35 sur TF1, la chaîne a aussi réservé une surprise de taille à ses téléspectateurs pour bien commencer l'année. Le documentaire Ici Tout Commence, Les Secrets d'un Succès a été diffusé le samedi 7 janvier à 16h10 sur TF1, et il s'intéresse aux coulisses d'un feuilleton qui attire, chaque jour, des milliers de fans. Il faut dire que les aventures des élèves et des profs de l'Institut Auguste Armand passionnent et rendent vite accro. Interview, image inédite, teasing de ce qui attend les personnages dans la suite. TF1 gâte les téléspectateurs avec de nombreuses anecdotes, dont une qui concerne le petit Naël, le fils de Jasmine, Zoé Séverin, et Greg, Michael Mittelstadt, qui a récemment quitté la série. Et oui, difficile de jouer avec un enfant dont le temps de tournage est strictement régulé pour le préserver. En général, plusieurs bébés jouent donc le même rôle et, comme l'explique Zoé Séverin, il est donc arrivé que lorsque les enfants ne pouvaient pas incarner le petit Naël Casmi de Lobel, une poupée soit utilisée. Zoé Séverin, on va utiliser le faux bébé pour tourner Je vous présente mon fils. S'exclame la jeune femme dans le documentaire en montrant la poupée, avant d'expliquer, du coup, quand on n'a pas le vrai bébé, on va utiliser le faux bébé pour tourner. Depuis décembre 2022 et pour rester cohérent avec la croissance de l'enfant, Naël est incarné par l'enfant acteur Livio Martinez. Et bien qu'il soit adorable, cela n'empêche pas les acteurs, adultes, de stresser un peu à l'idée de tourner avec des petits bouts. Lors d'une interview avec Télé Loisirs, Nicolas Anselmo alias Elliot Prévost avait ainsi avoué, « Moi je galère trop avec le petit. En vrai, si est super dur, même si jouer avec un bébé est top car cela nous force à être vraiment dans l'instant. Du coup, il y a plein de choses qui se passent, des choses imprévues parfois. Et si est-il aussi ça qui fait le charme d'ici tout commence ?